Congo Buzz, télévision, fidèles internautes, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro, le premier même de la semaine de votre magazine, ils ont dit, qui sera axé particulièrement à la déclaration faite ce lundi par les présidiums de la Mouka en ce qui est préparatif de leur marche pour ce 29 septembre. Au cours de cela, il y a également eu une séance de questions-réponses. Sans plus tarder, je vous laisse ce qui a été cette déclaration, puis on se retrouve tout juste après. Suivant. Voilà. Mesdames et messieurs, la presse, dans le cadre de son point de presse, de ce lundi 27 septembre 2021, et bien avant, j'aimerais vous inviter tous à nous tenir debout pour l'hymne national. Et aujourd'hui, à 48 heures, bien entendu, de cette date-là, du mercredi 29 septembre 2021, pour sa marche qui est maintenue, les membres du Présidium veulent fixer l'opinion sur cette marche. Et donc, la déclaration du président de la Mouka sera lue par l'un des cadres de la Mouka, M. Jean-Claude Mwalimu, que j'invite ici sur ce podium pour nous en dévoiler la teneur. Merci beaucoup. Déclaration du président de la Mouka. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La démocratie dans notre pays est en danger. Le régime de fait de M. Félix Tshisekedi, après avoir décrété l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, sans aucun fondement et sans préparation aucune, s'évertue maintenant à vouloir museler les citoyens de Kinshasa par le canal de son gouverneur de la ville et ainsi continuer à diriger le pays sans légitimité et constamment en violation de la Constitution. Ainsi, dans le cadre des préparatifs de la marche du 29 septembre courant, en réclamation de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, CNI en sigle, le président de la Mouka rappelle et déclare ce qui suit. La Constitution de la République, en son article 26, a institué le régime d'information qui oblige les organisateurs d'une manifestation publique à informer l'autorité urbaine de la tenue de la manifestation. C'est ainsi qu'après la marche du 15 septembre dernier, violemment réprimés par la police, les partis membres de la Mouka avaient écrit le 17 septembre 2021 au gouverneur de la ville pour l'informer de la tenue d'une nouvelle marche le 29 septembre courant. Son silence, une semaine après la saisie, nous a déterminé à lui adresser une autre lettre le 25 septembre pour lui proposer une rencontre technique afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de la manifestation conformément à la loi. Le même jour, sans répondre à nos lettres, la ville de Kinshasa, à la suite d'une rencontre convoqué via les réseaux sociaux avec les partis et organisations politiques majoritairement de l'Union sacrée, a rendu public un communiqué dans lequel elle a décrété d'autorité
l'axe Bomatété, aéroport Lundi, de zones neutres où des manifestations publiques ne peuvent être organisées. Ce communiqué qui ne vaut pas décision pour nous est illégal en ce qu'il ne s'appuie sur aucun soubassement légal. Il est aussi discriminatoire en ce qu'il prive les Congolais habitant cette partie de la ville de leur droit constitutionnel de manifester. En réalité, il établit pratiquement et de manière sournoise un état de siège qui ne dit pas son nom dans cette partie de la ville de Kinshasa. Le président note cependant que le même jour que le gouvernement de la ville avait annoncé et fait publier le fameux communiqué, le parti au pouvoir avait organisé une marche dans l'axe ciblé. Le dimanche 26 septembre, le citoyen Mbosso, président de l'Assemblée nationale de son État, et dont le parti est membre de l'Union sacrée, a tenu un meeting populaire aux allures de campagne électorale au stade de Massina, se situant, tenez-vous bien, dans la zone dite neutre par le même gouvernement. Le président me rappelle aussi que le 21 septembre de ce mois, le parti politique ACP du gouverneur de la ville et les partis alliés à l'UDPS avaient organisé une manifestation dont le point de chute fut le palais du peuple. La dite manifestation s'est terminée par l'attaque des bureaux de l'ECIDE situés sur le boulevard Triomphal. Le président observe par ailleurs que depuis la prise de pouvoir par ce régime de fait, toutes les manifestations publiques des partis politiques membres de l'AMDA sont systématiquement réprimées par la police sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa. Manifestement, tout est fait pour étouffer nos partis politiques et nous empêcher de jouir de nos droits et des libertés publiques en invoquant à chaque fois des raisons fallacieuses. C'est justement contre cette discrimination et contre cette dictature que nous avons décidé de résister conformément aux articles 12 et 28 de la Constitution. Ainsi, le président de l'AMUKA annonce solennellement qu'il maintient sa marche pacifique du 29 septembre, courant qui partira du quartier 3 à Massima jusqu'au palais du peuple. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle lettre a été adressée ce matin même, le lundi 27 septembre, au gouverneur de la ville pour solliciter une fois de plus une rencontre avec les services de l'hôtel de ville en présence du commissaire provincial de la police afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de la marche du 29 septembre. Mesdames et messieurs, le président est au courant du complot macabre ourdi dans certaines officines politiques visant l'élimination physique des leaders et des cadres de l'AMUKA. Il demande à la police de ne pas tomber dans ce piège et la paix a plus de responsabilités de manière à sécuriser la population et leurs biens plutôt que de se rendre complice de ce funeste projet en préparation.
Le président prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences du comportement du gouverneur de la ville et en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour la préservation de la paix et de la cohésion nationale. La Mouba ne laissera personne assassiner ou détruire les acquis démocratiques issus du pacte républicain de Saint-Cyr. Le président appelle le peuple congolais en général et les Guinois en particulier à ne pas céder aux intimidations et à se mobiliser nombreux pour répondre à cette manifestation du mercredi 29 septembre courant. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple, fête à Kinshasa le 27 septembre 2021, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mousito, coordonnateur de la MUCA. Je vous remercie. De suivre la déclaration du président de la MUCA lue par Jean-Claude Boily Moulin, le cadre de la MUCA. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce point de presse. Et donc, je demanderai aux amis de la presse, juste après ce point de presse, vous allez devoir voir les différents communicateurs de la MUCA pour d'éventuelles questions. Et puis, on va vous remettre les différentes conclusions de cette déclaration. Merci beaucoup. La MUCA a confirmé marche naïe il y a le 29 septembre. Et puis, vous voyez, il a changé l'itinéraire. Il y a une marche dans le quartier 3. Na niveau, il y a palais du peuple. Communiqué au à monsieur Ngobila, ezali illégal, ezali acte moko discriminatoire. Poto ti comme on a weekend oyo, le président Mbosso, citoyen Mbosso, a aussi organisé meeting moko à l'allure ya campagne électorale na zone neutre oyo Ngobila zoloba. Dernièrement, mutu moko cadre moi UDPS a organisé une marche aussi na katia Changu. Pourquoi les loyo biso ba kopekisa biso ba talamuka to marché. Donc de maintenir marche Nabiso le 29 septembre, Tokobana na quartier toi, ti na palais du peuple. Et to sengi na police à sécuriser Biso. Parce que to yu ki déjà sango, que bazali na posa ba boma ba leader à la MUCA, na ba cadre à la MUCA. C'est leur intention. Et nous dénonçons cela et nous prenons à témoin opinion nationale et internationale. La marche du 29 septembre, Bobo Sanate, est un objectif moko. Dépolitisation, y a CENI. Non au glissement et non à la fraude électorale que M. Tshisekedi a organisé. Merci beaucoup, maman Tatiana, pour la question. Je le confirme encore une fois de plus que Bissoba député y a décidé. Je l'avais dénoncé au mois d'avril que le Jipwana est un acte de corruption. Le député a décidé, il n'y a ni preneur ni souscripteur. Donc, il y a Jipwana T. Nous le confirmons encore. Et il y a une voiture qui est en train de se faire dans le trésor public. Merci beaucoup. Comme tu étais comme zone rouge, selon Ngobila, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ba koki ko exercer droit na bango pe liberté na bango te. Tango biso to lobi na Ngobila. Na mobeko li konzi na biso constitution. Article ni ne pesio pouvoir ya koloba yete a parti ya lelo Changu e komi Afghanistan. Oyo muta ko tia makolo te. Mobeko moko te pesi Ngobila ningisa yewana. Donc bana Changu ba komi ba terroriste lelo. Bana Changu ba komi ba bandits selon Ngobila na Chilombo. To comprendre yango. Yango to lobi na bana Changu ete. Toko défendre droit nabino la MUCA to lobi boye
Mokoloya Misato, mercredi 29 septembre. Marche populaire ya Lamuka. Pona koloba ke tolingi ba konzi ya malonga na seni. Toboyi ba politicien na seni. Toboyi makambo ya glissement. Ba Congolais ba na nzala, ba na chômage, misale ya lite, insécurité partout. Tolingi na 2023, na mois octobre, ba Congolais ba pona mokonza bango ya sika. Amboka asika bapona ba député asika toboyi glissement tolobi na bana ya tsangu pe bana Congo tokokita na nzela biso banso mokula mekedi marche ali confirmé to bina ngobila mais yo lobi ke tsangu ekomi Afghanistan ozaki décision yo wana le 25 mais le même jour wana ngobila koza décision Francis Tshibalabala député provincial IDPS asali marche monene ko bana na Sifoko ti na terrain na boulevard Kimbuta. Lobby Mokolo ya dimanche 26, citoyen Mboso, président de l'Assemblée nationale, a sali meeting ya monene na terrain municipal ya Tiangu. Un jour après décision Angobile. Donc ça dit que ba mambo ya union sacré ba koki ko sala ba manifestation na Tiangu pour réalité. Soi kaka Martin Fayulu, soi kaka Mozito, soi kaka Prince Epeng, soi kaka Lamuka Angobile alibite. Bwana mwebo chama ko na Tiangu te. Wana ezali violation ya article 12 ya constitution. Eh le biété tous les Congolais sont égaux devant la loi. Pona nini Mboso a sali meeting na Tiangu na Masina mokolo ya dimanche. Francis Tshibalabala sali marche mokolo ya samedi. Ba jeune ya union sacrée na IDPS ba sali marche mokolo ya lundi. Na Tiangu batiki bango kaka la mukata nga lobiété le 29 toko tambola ngobila bité zone yiwane comme zone rouge to tunye raison nini raison réalité o baba mbaki ambassadeur moko libanga non ezali raison politique d'après ben information na biso ezali monsieur Chilombo Félix nda ebisi ngobila fayula ko tambola na ville OT ngo to lobi biso toko tambola o ezali ba méthode ya Kabila bobo sa na tete Kabila lo bakete ben ba ko votete butembo ba ko votete ituri ba ko votete a inscrit ba Congolais à longoli bango droit na bango ya vote. Kaka ndenge mo Félix ako copier Kabila. O izali makambo to combattre kana Félix ensemble na IDPS na tango yoana. Mais le Félix a na pouvoir na nyamu nyamu, a bandi ko répéter ko copier kaka biloko Kabila salaka. Ezali triste. Combat etienne tseke du amulumba ekei na mai pamba. Tanseta e komi ya buzoba sikawa. Donc pour na biso marche et ali maintenir bana ya kisasa. Bana ya Congo, ba étudiant, tu peux ba étudiant. Biso banso, mercredi, na 7h, na place 4 et 3, toko beta mai malem malem bete na boulevard triomphal, pona koloba, to lingi ba konzi, ba politicien na sénité, to lingi glissimate, to zana boyokani, panda une semaine, pour être to zana ba konzi ya sika na séni. Na tondi botondi mama. Na yo, yebisa ndekonanga David Sala. Que Kishasa ezali ferme ya mutute papa na ye ou bien mama na ye atikila ye ou ya kukata biteni place batubako leka na place batubako lekate. Kishasa ezali ferme privé ya famille ya mutute. Kishasa ezali capitale ya institution, miroir ya démocratie et moteur ya ba liberté ya batu. Donc biso na lamuka to décida ki ke marche na biso e komanda na quartier 3 esuka na palais du peuple ngobila na muto ya zotinda ye to yebi ke makambu nyoso ute pa Chilombo na batu na ye bango balingi bakata changu na itinéraire na biso. Donc c'est impossible parce que changu ezali ba congolais to comme batu bazana rompwenga ba batu bazana Kanluka, batu bazana Kitambo ou bien na Pompal, nyoso za Congo et za Kishasa. Mukolo toko décider que toko banda na IPN, mukolo wana toko banda bako ya kwankadre biso. Awa to décider que toko banda kuna na changu, toko banda na changu. Il n'appartient pas ya autorité quelconque. Mutu ata mokote avanda akanisa ke liberté na biso comme misuni ya zungu ya mwasi na ye oyo akokata ayebisa biso nombre ya misuni tokolia lelo na otokolia lobi. Non, liberté est liée na bomutu na biso et pouvoir public a le devoir de encadrer ba liberté wana pour que démocratie ait un sens. Sigo le roi se mettre en commun accord avec le gouverneur Ngobila.
secrétaire général, nous avons compté les morts, le nombre de blessés. Parce que mon marche vous a la sécurité, le rôle à Baninga, vous allez la source des tirs à gauche, à droite. Mais nous avons tout le monde là. Pour nous, les citoyens, nous avons la campagne de Chilombo. Na terrain ya Massina, municipal ya Massina, zone où il a déclaré que c'est une zone neutre, l'objectif qui est à Pékissiété. Pour la ligne de Chibalabala, à celle qui marche, kaka, na initial Mokowana, à Pékissié, ce qui est commis tour, il y a Bissot, de ce qu'il est commis zone neutre, il y a Kokende. Non, de quoi il n'y a pas de Moussala n'a pas de image, Moussala n'a pas de image. Yo, yaka biso toko tambola yo zo ba image. Ce qui va bête biso yo zo ba image, on a tissu monde entier, et l'ongi ya Chilombo, ba monango, batika kolzala distrait, na état de droit, na démocratie, ya l'ukuta ou ya zo teka à travers le monde. Donc rendez-vous, banakin, mercredi 8h. À partir du quartier 3, tous les Liwana, na pas leader na biso to kubata marche. Oyebi na ndenge na sukisa na iloba oyo. Ngobila akanisi ke ndenga sala ki na yumbi. A privé bandeko ya bayumbi ba voter, sikoyo akanisi ke ye pa kokata changu ba voter te. Osomona? Donc tout royo amikosi ya lelo e komemaye e kutika yete. Merci. Merci mingi. Yaliboso esengeli bana mboka bayeba ke tozomona dictature ya kubuta marakata mboka na biso tozomona injustice moko evandi o ezali ya mabe ya koluka ko kabula ba congolais ya ko semer pratiquement le désordre dans le pays du fait que ezali na ba parti ya union dite sacrée bango moko nde ba ko mona comme si que ils ont tout le pouvoir ya ko salaba oyo bango balingi biso na kati ya lamuka tozali na droite mais tolingi koloba ke biso banso tozali ba congolais biso banso tozali na même droit tozali na droit ya ko revendiquer tozali na droit ya ko résister décision moko oyo ezali mal donné bo monique Tokamwaki mokolo ya samedi mokolo ya vendredi babengi ba secrétaire général ya ba parti nyonso pour que ba sala bango communication politique moko na hôtel de ville mais yambo babenga bango biso na kati ya lamuka tokotisaki mokanda pour que tous yebisa l'autorité compétente que biso la mukato ko marché les venef to kamwe ngubila yeko au lieu que abenga biso batotokotsa ki mukanda ye abengi ba secrétaire général ba parti nyonso ba ya pona communication politique mais ko kamwe ali ali nini tango bakeyi bakeko yebisa bango que ko banda aéroport Tiko koma na mai ya njili. Zonu wana nyonso ba deklare ango zonu moko oyu bako kiko sala makambo ya politiki te. Bako kiko sala makambo ya politiki te. Kukamwa. Me tala makambo ya mboso wa yako sala, makambo ya ngobila aliko sala. Dabo a eu une décision sur base ya communiqué moko opé ezaki signé d'abord par Yété. Ezali na fond moko juridique était base juridique ezali té. Mais a eu kaka décision pour que ba yeba ko empêcher bana ya Kingasani, bana ya Massina, bana ya Njili, bana ya Kimbanseke ba jouir na liberté na bango ya ko manifester ya expression na bango ya koloba azui mokano moko illégal mais kokamwe ali nini mokolo ya lomingo le dimanche hier tomoni les citoyens mboso organisé meeting moko na Pascal
De l'autre côté, Ngobila a lobi que zone wana activité politique mon côté et sengeli et salima. Bon, botali sabiso. Tozali na mboka ni nini. Oyo ezali discrimination te. Oyo mbo Ngobila aliko luka. Aliko luka liwa ya ba congolais mais ayeba. Azali d'abord na likambo ya numbi, ya lup ya numbi. Yumbi plutôt. Ya yumbi o eza kozela yi. Ako continuer li susu alingi ke makila ya ba congolais etanga. Asala yango po biso toko se laisser intimider toko tambola ko banda na quartier 3 qui n'en a parlé du peuple toko ki ko mikitisa na ordre o ezali mal donné té na ordre o ezali mal donné té et avant que le citoyen Mboso aya ko sala meeting na yekuna ezala ki na de konabiso ezali ce qui rapporteur l'assemblée nationale l'assemblée provinciale comment est-ce sunani ben tibalabala si c'est tibalabala oyo batambola ki kuna na kingasani ya suka wana biso oyo tozala ki na kati ya parlement ya biso oyo ya Pascal ba ye même ko beta biso mabanga ba ye ko beta biso mais maintenant Bolingi ke bino bo sala ba misusu ba salate. C'est tout le même effet, le même comportement mama. Nazonga mo muke sima. Tango tolobaki ke to ko sala marche ya les 15. Citoyen Mboso et pito Ngobila. Ayi koyebi sabiso ke non moyen ke apprendre acte na marche ya les 15 ezalite po Covid ezali na mboka. Ngai na kamwe Covid na mboka na kamwe mais de l'autre côté kaka le citoyen Mboso ake ko sala mitinge monene kuna na kanluka boyebaki ke star na biso ya lokumu Jibem Piana abeta ki concert na ye soki na Shark Club pe ba ba musicien ba ko pesa biso lokumu mingi na kati ya mboka Dadou abetaki mindule minene une affaire de 7000 personnes oyo ba kota ki mindule wana donc Covid ezalaki te Covid lalaki kaka tango la muka telemi pour que asa la marche nde Covid et la mouki. Donc, c'est le même comportement. Oya ko sala lelo. Bango ba tamboli, bango ba sali mitingi. Non, zone wana ezala ki zone ne traité. Vous comprenez? Mais tango la mouka lingi ko tambola et komi zone ne traité. Alors, nous ne pouvons pas. Je dis bien, nous ne pouvons pas accepter cette discrimination et nous devons marcher. Kobanda quartier 3 qui non na palais du peuple c'est notre pays nous avons le droit nous avons l'obligation de protéger la constitution de protéger la démocratie dans notre pays oyo monsieur Ngobila veut mettre la démocratie en cause dans notre pays Ngobila veut piétiner encore sur la constitution de la République démocratique du Congo. Et bisous, vous allez me prendre Koulouba. Non. C'en est fini pour cette émission, mesdames, messieurs. Vous étiez nombreux à suivre en images ce qu'a été la déclaration du présidium de la Mouka. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Jacob qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, nous vous disons un grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao.